Monsieur, bonsoir. Une semaine bien nuageuse en perspective, à commencer par demain, car nous trouvons en bordure d'une cellule anticyclonique qui se situe actuellement au large de la Bretagne, qui va y rester toute la semaine. Et dans un flux de nord, les nuages vont envahir le pays, à commencer par la moitié est, avec localement quelques gouttes ici sur l'extrême nord-est du pays. Ce sont des nuages bas, quelques bandes brouillard sur le nord-ouest, mais qui devraient se dissiper rapidement. Et puis sur le sud, la masse d'air est beaucoup plus sèche, avec aussi quelques bandes de brume ici dans la vallée de la Garonne, mais rien de très méchant. Vous noterez le vent en Méditerranée à 80 km/h. Les températures de demain matin seront stationnaires. Pas de gelée en perspective, des valeurs comprises entre 4 et 11 degrés du nord au sud. Dans le courant de l'après-midi, pas beaucoup d'évolution, encore quelques gouttes possibles ici sur l'Alsace ou sur la Franche-Comté. Un ciel laiteux du centre au Pas-de-Calais et aux côtes du Cotentin. Un temps variable de la Normandie au sud-ouest, de belles éclaircies sur le nord-ouest et un franc et beau soleil autour de la Méditerranée avec toujours du Mistral et de la Tramontane. Des températures qui seront en légère hausse, plutôt bien payée pour la saison, avec des valeurs comprises entre 10 et 17 au nord et un maximum de 19 au sud. Ce sera le cas à Marseille. Cette semaine, les nuages seront très présents, toujours pour la même raison. Sur la moitié nord, mardi et mercredi, les nuages bas seront de la partie. Le soleil continuera à régner au sud avec des valeurs plutôt agréables. Et puis jeudi et vendredi, nouvelle dégradation, nouvelle descente froide avec un ciel gris sur le nord-est. Plus on ira vers l'ouest ou vers le sud, plus le ciel sera clair, mais les températures seront en baisse. Demain, nous serons le lundi 16 mars et nous fêterons Sainte Bénédicte. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. À bientôt, merci. Parti, le contrat de confiance.